Hi everyone. Hi Mario, how are you? Fine, fine. This is Mario González. He's co-principal at the FBEO School of Osteopathy in Madrid, and he will introduce a little bit the lecture he's going to give at the online International Students Day in OSEAN. So I hope you will like everything he has to say with the long experience he has in osteopathy as a teacher and as a clinician. So, Mario, please tell us a little bit more. Yes, thanks, Sandra. Oui, bonjour, je me présente comme Sandra l'a déjà fait. Je suis le directeur de la formation belgo-espagnole d'ostéopathie. Hi, I'm going to introduce myself. As Sandra has just said, I'm the co-principal of the Belgian-Spanish School of Madrid. Nous avons au sein de la formation belgo-espagnole d'ostéopathie uni le meilleur de l'ostéopathie belge avec le meilleur de l'ostéopathie en Espagne. We have in our school assembled the best part of the osteopathy in Belgium and the best part of the osteopathy in Madrid, in Spain, sorry. Et c'est pour ça que après de longues années de pratique clinique, ça fait déjà 32 ans que je travaille et 11 ans que nous sommes au sein de la formation à développer différents formats de formation, différents formats de stratégie diagnostique. That's why after 32 years of experience at my practice, after a long experience as teachers, we have developed a different kind or formats of assessing our patients. Et en fait, nous nous sommes rendus compte que les élèves qui s'initient en ostéopathie ont parfois des difficultés à se rendre compte que tous les tests qu'ils vont réaliser vont servir à solutionner un problème qui probablement est un problème global du patient. That's why we have become aware that sometimes our students have some difficulties in order to do the different tests and to make an interpretation so that they can see the global problem that the patient is presenting at the practice. Et au cours des examens de fin d'études, nous nous rendons compte que les élèves ont des difficultés à appréhender des tests locaux et de les intégrer dans un concept global du patient. And at the final exams, we have seen during all these years that sometimes for students, it's difficult to do different local tests and to integrate them into a global examination. Et c'est pour ça que j'ai proposé dans mon élocution de vous parler de l'intégration de la dysfonction somatique locale, vertébrale, dans un raisonnement clinique avec une stratégie de diagnostic qui n'est pas locale, mais bien plus globale et tridimensionnelle. That's why I propose this topic for my lecture, in which I'm going to develop the idea of the local somatic dysfunction in the vertebra, but not as a local problem, but integrated in a more complex reasoning, three-dimensional. Oui. Donc, fréquemment, l'élève a des difficultés à se dire par où est-ce que je commence? Eh bien, c'est là où je voudrais aux élèves de première ou deuxième année leur donner quelques petits trucs cliniques qui puissent les aider à réellement trouver les zones de dysfonction importantes pour le patient. That's why sometimes the students say, okay, but where should I start? So I'm going to help them to identify a little bit better different tips from a clinical point of view so that they can start the whole reasoning, their interpretation, and know a little bit better where to start. Donc, un des buts principaux, c'est de démontrer l'importance qu'a la dysfonction locale sur la dynamique globale et vice-versa. So, an important point here is to show how important is the local dysfunction into the global situation and vice versa. Donc, faire entrevoir les différentes possibilités d'exploration globale qui puissent détecter les désordres locaux et les désordres locaux qu'il faut réellement traiter. So, in other words, we can make an interpretation of the global
situation and pick up the local dysfunctions that we will have to treat in our patients. Donc, un autre but est celui d'ouvrir les perceptions à un examen beaucoup plus global afin de minimiser l'exploration locale. So, another objective is to open up the global examination in order to minimize the local examination. Ceci réellement va pouvoir minimiser l'exploration locale à la recherche de toutes les dysfonctions. So we will be able to do less local tests in our whole exploration. Et donc ainsi percevoir les grands centres de fixation et les différencier de ce que sont des adaptations réellement. And perceive the big centers of fixation or lack of movement and be aware of what's really happening. Nous intégrerons pour cela des connaissances en neurologie, mais aussi en connaissance des chaînes myofasciales qui puissent justement justifier certaines de ces dysfonctions et comment, à partir de tests globaux, on peut déterminer par où commencer l'examen local. We will integrate knowledge in neurology, but also knowledge in myofascial chains, from which we will be able to understand the globality and where do we have to start in each case. So donc réellement, je vous invite à faire un petit chemin avec un professionnel qui a dû trouver des trucs pour aller chercher les dysfonctions importantes du patient et ne pas commencer à traiter de tout sans savoir pourquoi. So I invite you to follow this kind of reasoning from a professional who has developed his way in order to find what's really important to treat instead of treating everything we find. Et vous comprendrez pourquoi, par exemple, quand on traite une vertèbre ou un segment vertébral dans tel paramètre et pas dans tel autre, c'est parce que cela répond à des nécessités précises du patient. And you will understand why sometimes we treat some specific vertebral dysfunctions and not others, and why there is a necessity to treat those specific dysfunctions. Et quelle relation a réellement le mode thérapeutique, le type de technique utilisée en fonction de l'interoception et de la nociception que nous présente le patient. And which relationship there is between the kind of technique we will use and the interoception and nociception that the patient is presenting to us. Voilà, ça c'est un petit peu le but de ma présentation et j'espère que vous en profiterez pleinement et que vous profiterez de quelques années d'expérience clinique à l'assistance du patient. So those are the objectives of my lecture and I hope you will enjoy it and you will enjoy all these years of experience that I have in practice and hope to see you there. Thank you, Mario. Thank you very much. Merci, Sandra. Thanks. And I'm sure we will all enjoy it. Thank you. Okay. Bye. Thanks. Ciao, Sandra.